Je confirme que dans ces métiers-là, le hasard est, oui, est d'une importance folle. Moi, j'ai commencé au début des années 80 comme stagiaire. J'étais étudiant et je faisais des stages dans plusieurs médias. Premier stage Figaro, deuxième stage coup de bol RTL. Et j'étais dans la matinale d'RTL et un jour, je croise Jean-Jacques Bourdin. Voilà, j'ai jamais raconté cette histoire. Je croise Jean-Jacques Bourdin qui me dit « Tu fais quoi, toi, ici ? J'ai besoin de toi. » On est un samedi. Il me dit « J'ai besoin de toi. Tu viens, je présente le journal de 13h. C'est toi qui vas faire un petit flash, une minute, les infos de sport, tu prends quatre dépêches et tu viens me retrouver juste avant l'entrée du journal. Journal inattendu. Journal inattendu. Et pour la première fois de ma vie, je me retrouve sur une grande radio. Ça a duré une minute. Hein. J'étais dans mes petits souliers, je tremblais comme une feuille et j'ai fait mon premier papier à la radio avec Jean-Jacques. Jean-Jacques disait...